Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant? Quand vous écoutez la vidéo, je commence avec l'oracle de Gabriel Sanchez, le cercle des sorcières. Alors, révélation, joie et bonheur, que l'éclat des fleurs élance ma foi intérieure loin de la noirceur. Je m'enracine et je crois en moi. Je m'anime dans le pur, sans peur. Je deviens exactement l'être que je dois être. Donc, on vous invite à la joie, au bonheur, à la paix. Et l'éclat des fleurs correspond avec ce printemps qui arrive enfin sur la pointe des pieds. Ciel, alignement et équilibre par le fil de plomb et le tournesol, en cet instant je suis verticalité, centrée et alignée dans mon être physique et mystique. C'est-à-dire que la révélation, le ciel, bien c'est d'avoir conscience que dans sa vie de tous les jours, on peut demander de l'aide à son moi intérieur, à sa guidance, à ses guides, et qu'il y a un monde parallèle qui n'attend qu'une chose, c'est de nous aider et à en être conscient que nous ne sommes pas seuls. Alors, un animal, toujours dans le même, avec le dos chat. Dragon, irascibilité. Et la troisième partie avec les étoiles. L'instant présent défi. Alors, on va prendre notre dragon. Beaucoup de gens sont en colère pour le moment, notamment en France, avec les pensions. Rassurez-vous les gars. En Belgique, c'est 67, 65, 66, 67. Il y a mieux. Alors, l'irascibilité, mais ça peut être aussi de l'ardeur et de la protection. Protège tes trésors intérieurs, ce en quoi tu crois, car ils sont l'émanation de ta personnalité. Tu es un joyau précieux. Prends garde que rien ni personne n'altère ta brillance. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Ce dragon, il nous enseigne à être en harmonie avec nos pensées et à défendre nos choix, courageusement mais aussi férocement. Esprit libre, chérissant les valeurs humaines, la sincérité et la noblesse d'âme sont ses étendards. C'est vraiment le dragon ici, n'a rien de négatif parce que c'est quelqu'un qui se protège en fait. Mon énergie se manifeste quand tu te révoltes face à l'injustice, au mensonge. Capable de faire naître la fureur, tu es aussi un être bienveillant qui donne plus qu'il ne reçoit. Ne tempère pas tes ardeurs et protège tes rêves. Déploie tes ailes pour prendre de la hauteur afin de voir les réponses cachées par les brumes de l'incertitude. Donc là, c'est qu'on vous invite à aller au fond de vous, chercher la force, le courage, qui sont des moyens de défense qui sont en vous et peut-être endormis. Parce qu'il est nécessaire de ne pas passer à côté de vous par de trop grands compromis tout le temps, sans retour. Voilà. Oh ma sœur, réveille en toi le titan qui sommeille. Cruauté, réveille-toi et que sonne l'heure du chaos. Oui, oui, oui. Sur ce, et alors, c'est un défi, je vois. Ce premier quartier, l'instant présent, bon, il n'y a rien à dire, parce que c'est être là, présent, et croire en toi. Pour un nouveau départ. Et les nouveaux départs demandent d'avoir
du peps, de la force, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien, afin d'être mieux aligné. Par exemple, j'ai lu un article, c'est une dame qui vendait des bijoux. Très vite, elle avait 2 magasins, elle était gérante et elle aimait beaucoup. Et un jour, il y a eu les attentats à Bruxelles et les gens venaient la trouver, elle était près du métro. Et là, elle s'est sentie impuissante. Elle avait envie de quitter le magasin, mais elle ne pouvait pas puisqu'elle est gérante. Et elle avait envie, voyez, voilà, cet alignement, elle avait envie de quitter et d'aller aider. Et après, elle n'était plus justement alignée avec ses valeurs quand une personne venait, « Oui, ce bijou-là, je veux le rose, le bleu. » Elle trouvait alors que c'était vraiment superficiel et ce métier ne convenait plus. Et elle est rentrée dans la police parce que là, elle a l'impression de rendre service. Donc, c'est pas que la pression. Elle ressent, elle se sent à sa juste place. C'est mieux dit. Voilà. Elle affirme sa personnalité. Donc, voilà. Et c'est une révélation. Un appel à vous écouter pour un changement. Là, c'est le tarot. Non. Bon, écoute, si. Je dis non, pourquoi ? J'en voulais qu'une, j'en ai 2. Voilà, cette révélation, c'est la force intérieure, c'est de croire en vous pour un changement et d'aller, de voir plus loin. Et ici, c'est une personne qui crée la vie de ses rêves. Donc, c'est engendrer quelque chose qui vous convient. Tout d'abord, elle est magnifique, vous voyez, bien à sa place, bien habillée sur un trône. C'est une personne qui adore la nature, cette impératrice. Et c'est un métier, ici, plutôt créatrice, qui crée quelque chose. Ça peut être vestimentaire, dans la mode. Voilà, mais on revoit cette bijoutière. On revoit cette bijoutière qui veut quitter son job pour un renouveau. Et pourtant, des beaux bijoux, ce qu'elle faisait en soi, c'était bien que des personnes se fassent beaux, belles, avec une belle montre. C'était pas négatif. Mais elle n'a plus vu. C'est pas que le métier est négatif parfois. C'est qu'on n'en voit pas l'utilité ou on change. En fait, elle a changé de perspective suite à quelque chose de grave, suite à un changement ici. C'est les attentats. Mais ça peut être un divorce qui demande de recréer une vie plus alignée avec vous-même. D'aller vraiment chercher en vous qu'est-ce qui est mieux pour moi, que je ne vois pas encore, mais là je sens que ça ne va pas. Vous voyez, vous dites, ça ne va pas. Je ne suis plus, plus alignée avec mes valeurs. Je prends le grand tableau Lenormand, c'est le titre de l'oracle. C'est des toutes petites cartes. Ah, ben c'est génial. Ah, il y a une guérison. Oh, c'est génial. Les obstacles. Je vais prendre 5 et 2. En fait, de croire en vous. S'enraciner, mais c'est être vraiment présent dans l'instant. Les soucis d'hier n'ont plus lieu d'être. Là, regardez comme on est bien. Vous voyez ? Garder la tête hors de l'eau, c'est croire en vous. Et cette guérison, cet alignement, c'est d'être là, dans l'instant, et surtout de demander, de prier pour être bien
présent à ce que vous faites à chaque instant. Et vous êtes guidé. En fait, c'est ça, cette guérison. C'est d'avoir la conviction que vous êtes guidé pour les obstacles que vous rencontrez, ce qui vous bloque. Eh bien, regardez, là, il y a un cadeau. Un cadeau, c'est déjà être dans l'instant. Et cette guidance vous permet de voir la vie avec plus de légèreté, plus de joie. On vous dit, sois en joie. Ne reste pas centré sur cet obstacle. Ne reste pas là, non, c'est pas possible. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Il s'agit de croire en vous. Et là, il y a un cadeau divin qui, un cadeau du ciel. Bon, je parle avec les mots que je ressens là maintenant. Bon, je vais vous demander, lors de blocage, de demander de l'aide pour établir le calme dans une situation ou de trouver une solution financière à vos soucis. Maintenant, je vais prendre Gabriel Sanchez. Là, j'avais envie de plus grandes cartes à regarder. Et le cadeau, c'est l'amour, l'affection, à nouveau, ces joies qui sont dans l'instant. Ce que vous devez comprendre, c'est calmer votre mental dans l'instant. Retournez chaque fois là. Là, maintenant, je suis centrée, alignée. Maintenant, je suis en paix. Et le chaos, je vous reparle de cette dame, c'est voilà, quelque chose qui est arrivé extérieur qui permet de voir les choses autrement, de changer de vie. Ne vous tracassez pas, c'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, ce n'est pas la mort. Mais c'est vrai qu'il y a une croix, c'est une renaissance après un chaos. Ça pourrait être une personne qui est décédée, une personne qui vous a quitté, un changement de boulot. C'est quelque chose que vous prenez comme « waouh, c'est pas possible, pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Et cette problématique vous permet de retrouver, là il y a l'abondance, les finances. Le fait de suivre vraiment ce que vous désirez créer, de changer de job par exemple, eh bien, c'est un peu une petite mort pour un renouveau, une renaissance. Et croyez en la viabilité de vos projets. Croyez en vous pour ce changement. C'est absolument essentiel de croire en vous. Allez, un petit tarot. Oui, parce qu'ici, je vois ce matin le choix du cœur, la voix du cœur. Et là, c'est une personne qui a des facilités pour trouver un nouveau sens à sa vie, au niveau de la santé et au niveau de l'argent. Je vais vous demander de suivre vraiment les élans, comme elle a dit, qu'est-ce que je fous ici, voyez. Et ici, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est bien dans sa vie, dans sa peau. Ça peut être une énergie maternelle, qui est tourné vers le cœur. Et il y a un petit peu une... une certaine nonchalance. Ici, elle regarde ses sous. Ben elle dit, ben, ça va. Ça va, je me contente de ce que j'ai. Et
Je suis heureuse ainsi. Je n'ai besoin de rien de plus. Et je préfère trouver un job qui me correspond mieux, où je vais peut-être moins gagner, mais où je serai plus en paix. Et des personnes ici peuvent souhaiter élever un enfant, élever des enfants, rester à la maison pour élever des enfants et revoir le budget. Parce qu'il y a un colimaçon en dessous, je dirais, vous voyez, comme un escargot. Certains, certaines, plutôt ici c'est une énergie féminine, mais pourquoi pas un homme, pense plutôt aux femmes, désirent rester à la maison pour s'occuper d'enfants ou de petits-enfants. Et c'est très bien ainsi. Alors là, c'est le Nicoletta Cicolitaro. Alors, et on voit ici la justice. C'est qu'un équilibre se rétablit dans votre vie. Là, c'est une épée qui... C'est une guérison de la blessure de trahison, le mensonge, les cachotteries. Et vous faites preuve de compassion vis-à-vis de vous. Regardez comme elle est en paix, la main sur le cœur. Et cette carte d'ailleurs, des étoiles, c'est une carte d'équilibre, de paix, d'harmonie et de suivre sa guidance. Là, il y a une guérison qui se fait. Et ici, nous avons c'est avoir un certain détachement. Elle ferme les yeux. C'est avoir un détachement du marasme extérieur. Et là, on retrouve cette reine de Denis qui revient, qui est représentée autrement. Et qui a beaucoup d'énergie. Vous voyez, là, c'est beaucoup d'énergie. Et je parlerai justement en Espagne de ces pauvres taureaux en souffrance, dans les corridas, d'énergie à changer les choses concernant la souffrance animale, par exemple. Et là, nous avons un château de cartes. C'est de nouveau un combat. Un combat, c'est la force d'aller au-delà et de croire en vous et en vos capacités. Et ici, avec ce 8, c'est que vous avez la force d'imposer vos vues avec conviction. Et je vois, il y a quand même un cœur percé. Mais c'est être au-dessus du château de cartes et voir les choses vraiment avec beaucoup de recul. Dans les relations à deux, dans les relations amicales, dans les relations avec les personnes de votre entourage proches. Amour et joie. Donc... d'avoir beaucoup de recul, du détachement, de la persévérance. Et je vois ici que il y a au niveau finance une certaine sérénité. Et là, le fait de vous réaligner et cette guérison vous permet l'envoi papillon de nouveau, comme ce cercueil, une renaissance. C'est votre destinée de changer les choses et de couper court avec la trahison, parce qu'on voit quelqu'un ici qui vous fait des coups dans le dos, vous ment, vous trahit, n'est pas correct avec vous.
Et justement, je vais prendre l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise. De l'emprise de personnes qui ne vous respectent pas, qui ne vous... Oh, mais il y a un remède. L'instant présent, être là pour vous, c'est vraiment dans nos vies, écouter la guidance. Et là, on dit qu'il se mord, la queue, ce serpent, mais non. Non, parce qu'il y a une certaine compassion vis-à-vis de vous, un recul pour repousser les obstacles et les difficultés. Et le remède, c'est d'être sincère et de ne pas accepter de mettre des limites et d'enlever le masque, d'être vraiment vous-même. Ouvrir votre cœur à la joie, à la passion, l'amour dans vos relations. Plus vous vous faites du bien, plus les énergies de... comme ça là, voyez, sortent de votre vie. Vous attirez à vous l'abondance en prenant soin de vous et en quittant les énergies qui ne vous conviennent plus. De manipulation. Une troisième, les pensées. Oui, quitter les pensées de tristesse, d'être désabusé, de croire que vous n'êtes pas capable de, parce que là, je vais dire que ce sont des trèfles. Et les trèfles, c'est stop, arrêtez de vous, comme ben, on dirait Jésus sur la croix. Et il y a une renaissance. Voilà. Et bien, comme Jésus, renaissez à vous-même, visualisez vos objectifs et on vous demande vraiment de quitter la noirceur et de croire en vous, vos capacités. C'est superbe. Et là, je vais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle, il est beau. Voilà. Je crois que j'ai tout pris, oui. C'est vraiment d'être sincère. Là, voilà. Notre dame du grand pouvoir. On retombe comme la première carte, c'est la finalité ici. Le pouvoir est en toi. Et tu ne le sais pas, mais je te le dis, en vérité, je vous le dis. Mes robes forment les ciels au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Donc nous retombons avec le centrage, l'aliment, l'ancrage. C'est-à-dire que je suis sur terre, mais j'écoute quand même ma guidance. Qu'est-ce que c'est la guidance? C'est mon cœur. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous comprenez? Je ne suis plus alignée dans ce boulot. Mes cheveux forment des galaxies et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Moi qui suis tout. Moi qui suis amour. Des peurs, des doutes, des problèmes, des angoisses. Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. Vous êtes un être d'amour et vous êtes venu ici sur terre expérimenter. Youpla boum. Ouais. Et surtout, guérir des tourments. C'est fini de souffrir toute une vie. Il y a des outils, il y a des choses extérieures qui arrivent.
mais vous avez des outils pour dépasser ces problématiques, pour au moins adoucir, pour être plus en paix. Ce n'est pas parfait, mais ça peut vous aider à être plus en paix avec vous-même. Alors, elle nous dit que quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite de vos projets, de vos rêves. C'est sa carte de l'abondance. Et que vous pouvez vaincre tous les obstacles. Vous voyez, on retourne, c'est vraiment ici la guidance du jour. Révélation et ciel. Beaucoup de révélations arrivent autour de vous. Tiens, cette personne-là, je pensais qu'elle était comme ça, je me suis trompée. Qu'est-ce que je vais décider pour être intègre? Est-ce qu'elle fera toujours partie de ma vie? Oui ou non? Et vous décidez. Petite prière. Sainte Mère, Notre-Dame du grand pouvoir, votre immensité anéantit toutes les angoisses et j'ai maintenant facilement accès à vos solutions bienveillantes. Je vous demande votre aide pour reconnaître vos instructions et le courage d'agir en conséquence au moment opportun et de la manière juste, par votre grâce pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Le pouvoir de ma Sainte Mère est plus grand que tout. Elle me montre le meilleur chemin pour que la vie et l'amour puissent s'épanouir maintenant et à jamais. Puissent s'épanouir dans vos relations. Ici, on a une énergie maternante. Et il se peut que des personnes trouvent un alignement avec une certaine spiritualité, c'est-à-dire que si vous êtes médecin, eh bien vous allez écouter le malade avec le mal qui est là, visible, et au lieu de tout de suite le bourrer de médicaments, vous allez écouter ce qu'il a au fond de son cœur. Quelles sont les problématiques? Il est nécessaire dans notre vie, dans le travail de chacun d'entre nous, d'être à l'écoute, de ne pas voir tout de suite, oui, je résous le problème, je te bourre de médicaments. Non. Qu'est-ce qu'il y a de caché, de profond? Le psychologique est extrêmement important. Quand vous avez des maladies graves comme le cancer, il est nécessaire aussi de prendre en compte le côté caché, spirituel, le côté de cœur, les interactions avec autrui qui vous ont mené. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cancers après un décès. Notre esprit est puissant, extrêmement puissant, et nous devons en prendre conscience afin d'évoluer, de changer les choses dans nos vies, d'améliorer nos vies et de retrouver ce grand pouvoir. Et là, on vous enlace. C'est vraiment une guérison de cœur. Le remède, et je finis, voilà. Avec la carte remède, nous serons dans les énergies et les actes de guérison. C'est pour cela que j'ai ici cet arbre. Elle nous indiquera d'économiser nos forces et d'être à l'écoute de notre état psychique et physique. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire avec un médecin. Je n'arrivais pas. Psychique et physique. Je suis un peu aidée. Cette carte symbolisera aussi les médecines alternatives comme la phytothérapie, l'aromathérapie et encore l'hypnose régressive. Reliée à la nature, le remède nous invitera à cultiver l'amour de celle-ci et apprécier les saisons. Elle nous suggérera d'apprendre à écouter le temps afin d'établir des connexions avec les énergies vibratoires. Suis-je en phase avec moi-même? Donc je vous demande, êtes-vous en phase avec vous-même? Vous avez le pouvoir de changer les choses. Décidez de changer les choses.
parce que là, la roue tourne. Le chaos que vous vivez vous amène à transformer quelque chose dans votre vie. N'ayez pas peur et croyez en la force de l'amour, en la force de votre cœur, sur ce que vous désirez vraiment. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Demandez matin et soir, prière. Merci de m'aider pour cette problématique. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.